Coucou tout le monde, on est reparti sur un épisode de Infection Free Zone et on continue la survie depuis notre base militaire qui est apparemment un très bon endroit où démarrer vu que l'on a trouvé beaucoup de ressources, beaucoup de munitions, des armes, un véhicule et que l'on est bien défendu. Donc là la partie se passe très bien, ce qui me surprend un petit peu. Alors on est actuellement en train de construire une cuisine pour raffiner le grain que l'on a trouvé, raffiner le cuisiner tout simplement et en faire du pain ou je sais pas trop quoi, et on est en train d'explorer autour avec nos squads de guerriers, de soldats. Hein. Pour rappel, on en a un ici avec son véhicule, et ça, c'est une bonne trouvaille dont je suis vraiment fier. Bon, bah alors, c'est reparti. J'aimerais trouver un peu plus de monde, mais on va peut-être le faire avec notre véhicule. J'aurais peut-être d'ailleurs me balader avec pour voir si... Me balader avec pour voir si on peut trouver des points d'intérêt sur la carte. Alors, toi, t'as fini, t'as de la nourriture, tu vas là-bas. Lui... Ah, il est plein, mais il a trouvé des munitions. Un petit peu de munitions. Un demi-clip, à peu près. Ici. Ah, il faut rentrer également avec la technologie pour faire la tour. C'est vrai. Ça, il retourne. Toi, une fois que t'as fini, tu vas aller là. Tu vas revenir ici, puis tu vas aller là. Et là, et tu retournes à la base. S'il reste du temps, on va voir. Finalement, il n'y a même pas besoin d'aller là, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'autres sources. Ici. Alors, allez fouiller là, vu que vous pouvez rentrer rapidement, de toute façon. Et je vais ralentir un petit peu le temps, parce que voilà. Là-haut. Allez, je vais te laisser y retourner. Je vais te laisser... Oh, purée. Bon, on va trouver du carburant, des munitions et tout. C'est génial, ça. Par contre, il va peut-être être trop tard. Il va peut-être être trop tard. Ok. On a toujours pas fini, là. Toujours pas fini, là-haut. Il manque quoi? Il manque du fer. On en a beaucoup. Hein. D'accord. Il va falloir peut-être commencer à ramasser des briques. Je m'y pose. Je sais pas s'il y a quelque chose qui peut me donner des briques là-dedans. J'ai pas l'impression. Non, rien qui peut me donner des briques. Ça, ça va être un problème. Ça. Ça, ça va être un problème. Alors, ici. Ok, tu es en train de fouiller. Toi, tu vas rester là parce qu'il va falloir. Hop. Je vais essayer. Clic droit, voilà. Toi, je veux protéger la base. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Là, on est bon. Alors, celui-ci a juste 3 armes. J'aimerais bien avoir d'autres petits bâtiments comme à proximité. Donc, on va pouvoir au moins aller là. Il n'y a pas de zombies. Alors, la dernière fois, il y a un gros paquet de zombies qui s'est ramené. Ah, ça, va falloir le réparer d'ailleurs au passage. Ouais, réparer. T'as ramassé, tu retournes. Ok, c'est au bon moment, on commence à repartir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, j'ai demandé de réparer, donc tout le monde quitte le bâtiment et voilà. C'est ça l'histoire. Oh, c'est intéressant. Ok, on retourne. Ouh, regardez tout ce que la voiture peut ramasser. Ah bah tiens, justement, on va aller là. Ah bah du coup je devrais, plutôt que faire des allers-retours avec les bonhommes, j'aurais fait... où est-ce que la voiture? J'aurais faire des allers-retours avec les véhicules. Vous voyez, les gars ils fouillent et la bagnole passe et elle ramasse. Ok. Ah c'est là pour sortir. Voilà. Et retourner au quartier général. Ouh, ok, un groupe d'infectés. Alors ça c'est un problème par contre. Vous allez aller là. Parce qu'ils vont probablement attaquer ce bâtiment. Je suis pas sûr. Ah ah. Ok, maintenant ils attaquent plus à l'extérieur, ils vont à l'intérieur. Voilà. On a besoin d'un atelier pour... Ok. Va falloir construire un atelier. Alors, il y a déjà ça à faire. Alors. Ah, ça les attaque à distance. Il faut qu'ils soient sur la route pour les rouler dessus. Alors, retourne recharger tes munitions. Eux sont bas également. Vous avez rechargé. On est à 12 clips.
Alors, question, c'est où aller avec eux? Bah, on va aller là. Il est quoi? Il est 1h du matin. Est-ce que je prends le risque? On va tenter. Ah, toi, tu t'es soigné, hein. Je crois un petit peu. À la rigueur, si ce personnage meurt, c'est pas trop grave, dans le sens où elle n'a pas d'arme. Je sais pas si on perd l'arme quand il y a une mort. Okay. Là, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui se ramène et qui pique ma bagnole, parce que c'est une catastrophe. Oh. Tu y vas également. Ok. Du coup. Non, ça, c'est pas un bon endroit. Ça, c'est pas un bon endroit. Ok. Ah. Ok. Là-bas. On est où? On est là. Bah, ah. Ça, c'est micro-freeze. Ah, bah, j'ai du mal à m'y repérer parce que la caméra bouge et tout. Non. Ah. Bah, celui-là. Toi. Une fois que t'as fini, tu vas là, puis tu vas là. Ok, alors là, on a vidé l'endroit. Pas de ressources. Non, le problème, c'est qu'il y a du zombie autour, donc... Voilà. Ah, ils sont allés danser la journée là. Alors, ici. Trouver de la nourriture. Ouh. Bonne quantité en plus de la nourriture. Donc là, on n'a pas besoin de la cuisiner. C'est pas des ingrédients. Et. Maintenant. Voilà. Ici. Toi, t'as fini. Je peux aller là sans problème. Personne. Déjà ça. Puis ça. Ok. Parce que sinon ils vont pas réparer, ils vont pas construire. Ouh, bon. Ça va prendre du temps, je pense. Quelle heure? Il est 10h. Pause, il y a du... Ok, il continue là-bas. On va le laisser. Une fois que toi t'as fini, tu vas nous faire ça. Ah, ils prennent pas la bagnole entre les ordres, d'accord. Ok. Tu sais quoi? Tu vas continuer de fouiller. Tu vas continuer de fouiller, pas grave si t'es plein. On va passer avec le véhicule ensuite. Ils reviennent bien là. Parfait. Continuez de fouiller. La construction est terminée, ils ont dit? Ah, la réparation surtout en fait. Ok. Voilà. Il va bientôt faire nuit. Il y a des zombies, il va falloir partir de là vite avant la tombée. Oh, ok. Avant la tombée de la nuit. Vous allez rentrer maintenant. Elle est presque soignée. Ouh, ils sont pas encore sortis, heureusement. Là-bas. Pas de problème. Je crois qu'ils nous rattrapent, mais on devrait être bon, on devrait être bon. Oh, d'un coup, il y en a trois. Oh, il y en a tellement là. Ah, la tourelle, il a pu défendre un peu, mais il pue ensuite. Ils ont attaqué la tourelle, ils essaient de rentrer dedans, heureusement qu'on a réparé. Ah, le véhicule rentre. Ah, il décharge. Ils ont besoin de plus de munitions. Alors.
On va ralentir. Faire le plein de munitions. Là, je leur roule pas dessus, donc on va plutôt essayer de se mettre là. Aller sur la route. Parfait. Ok, c'est bon. C'est bon. Ouais, bah, continue de décharger. Il y en a un autre qui se ramène. Alors là, on va y retourner. Eux vont rester là. On va quand même commencer à réparer à nouveau. Oh non! Oh, je pensais pas que ça ferait ça! Ouh, ils ont attaqué. Ah, d'accord, c'est quoi? Ils ont perdu des points de vie. D'accord, oui, ça les fait sortir. Oh, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Ah, est-ce qu'ils vont l'ignorer? Ouais, ils l'ignorent. Ok, c'est bon. Quand vous êtes bien dedans, vous n'êtes pas à l'extérieur, ouais. Voilà. Bon, alors vous. On est à 9 de munitions. Alors, je vais laisser ça là-bas. On va plutôt continuer de fouiller là. 3h du mat. Va falloir trouver des munitions et un grand paquet de munitions. Ça, c'est presque terminé. Et vous, vous y allez. Ouais, les nuits deviennent difficiles. Voilà. Donc vous allez faire ça. Là-haut. Il leur faut vraiment du véhicule. Ah, où ça? Là-bas. Mais quoi, il est 5h du mat, ils vont pas nous embêter là. Ouais. Bon, là-bas. Ouais, ça a l'air de micro-freeze un petit peu moins. La carte est chargée, c'est ça? Elle est dans la mémoire. Ah, encore un micro-freeze. Ok, munitions, ça c'est très important. Pourquoi ça dit un point neuf par contre? Voilà. Alors, un centre de recherche. Il va falloir adapter quelque chose. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui viennent de là-bas. Donc ça. Et j'ai pas besoin d'une antenne. Apparemment non. Ok. Avec ça, on va pouvoir faire la recherche grâce au point que l'on a obtenu là. Ah, c'est là qu'on en tient l'antenne basique. Mais pour le moment, tant que j'ai pas le centre de recherche, je peux rien faire avec. Ok. Ici c'est fini. Voilà. On a du carburant. On en est où côté carburant dans le véhicule? Je sais pas si j'en utilise du carburant. Peut-être qu'on l'utilise juste. On le vide en fait quand on se déplace peut-être. Ok, bâtiment déblayé. Ou fouillé. Voilà. Ici. On est bon. Vous savez quoi? Je vais essayer d'aller à... Ouh, c'est quoi ça? On a trouvé du monde. Armé. Ils peuvent nous voir. On ne sait pas s'ils sont amitiés. On les approche amicalement. On va voir. Non, non, je vais pas attaquer. Ah. Eux, par contre, sont hostiles. Non, va dedans. Ah, il y a un autre véhicule, là. Ok, il va falloir venir le chercher.
Alors je sais pas trop ce qui se passe avec eux là-bas. Ah là on a le carburant. Ah ils sont devenus hostiles. Vous n'aurez pas mon véhicule. Ok. Il est quelle heure? Il est 10. Ah ok, on sait qu'il faut aller là-bas pour un autre véhicule. Du coup... Le prince, ça va être le carburant maintenant. Maintenant, ça va être le carburant. Okay, alors on va aller là-bas, on va aller là-bas. On a le temps de fouiller un petit peu. Je suis où? Je suis là. Non mais... Ok, c'est pas grave. Là-haut. Bâtiment terminé, lequel? Ah ça. Ok. Du métal. Ok. Très bien. Là-haut, encore un petit peu, on va leur dire de rentrer. Ça, j'aimerais bien qu'ils finissent rapidement. Ok, rentrer, c'est pas grave. Okay, okay. Ouais, c'est bon. Toi, tu vas rentrer. Faut se rappeler, c'est celui en forme de fourchette. Ici. On est bon. Je pense pas qu'il y a énormément de zombies dans le coin, là-bas. Ce micro freeze, hein. Terrible. Ici. Non, toi tu vas rester. Tu vas protéger là. Oh, il se met à neiger. Ouh, ok. Là, direct. Oh oh. On va les attirer là-bas et on va les attaquer de chaque côté. Parce que sinon ils vont se faire dévorer mes bonhommes. Là-bas. Oh. Prioriser le combat là-bas. Hein. D'accord. Oh là là, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, j'ai pas le choix. Quoique on a encore des munitions. Tellement de munitions! Oh là là, on a perdu beaucoup de points de vie. Oh, il y en a d'autres qui se ramènent! Ah, mais stop! Vous voulez que je fasse quoi contre tout ça? Je peux le faire une ou deux fois, mais je peux pas le faire à l'infini! Ils ont plus de munitions. Si je sors, ils vont se faire tuer. Il y en a un autre qui se ramène. Ok. Maintenant vous allez les attirer. Ok. Vous allez vous mettre là. Pour protéger des deux. Ouh, ok, là-bas. On est bon? On est bon. Ouh! Ça va être bon, ça va être bon. Ouais, support, je sais. Oh oh. Non! 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 Je crois que j'ai perdu du coup mes armes.
Ok. Là-bas, après tu rentres tout seul. Tourne là-bas. Ici. Ouais. On perd en puissance là. Mais je vais tout de suite leur dire à eux. Allez là. Vous allez vider et on va aller là ensuite. Il n'y a pas intérêt à avoir d'autres ennemis là. Ça, 5 sur 5. Hop. Voilà. Eux sont à mi-chemin. Je vais être difficile. Ah, il faut faire des champs pour la nourriture. Alors, la nourriture, on est bon côté nourriture. Hein. C'est pas trop un problème. On a du monde là-dedans qui nous transforme ça en plat. On va pas faire de champs pour le moment. Eux arrivent là. Voilà. On avait quoi là-haut? Carburant. D'accord. Peu de munitions. La zone des blés, il me dit ça où? Ah oui, vous êtes toujours là. Bah va là-bas. Okay, j'ai peut-être perdu un peu de temps, mais... Est-ce que je ferais pas un autre groupe qui n'a pas d'armes et qui sert juste à explorer? Mais bon, je me dis avec les véhicules... J'ai peut-être pas besoin de ça. Donc tu retournes dans lui. Voilà. On va aller là-bas. Ça, on va laisser ça pour lui. Regardez, on a des munitions, ça c'est cool. Oh, un bandit? Ok. Non, ok, descendez là. C'est parti. Là-haut, c'est toujours en cours. L'autre groupe est... Purée, ils sont là. Le véhicule, là-bas. Du coup, tac. Et tac. Il va falloir rentrer parce que... Même pas aller dans le véhicule et on rentre. Ouais, l'autre squad. Est-ce que je peux voir les squads en cliquant là? Voilà, toi. Ok, c'est pas grave. Donc, toi, tu vas rentrer. Toi, tu vas là-dedans. Et on rentre. Moins de risques là, même si j'ai besoin de loot, de munitions et de tout. Toi. Voilà. Parfait. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Où on fait peut-être la nuit. Allez, on va faire la nuit. On va faire la nuit pour voir si on survient. On essaie de faire un autre épisode. Oh, oh, ok. Quelqu'un sur le chemin? Plusieurs quelqu'un sur le chemin? Ok. Alors. Allez faire le plein de munitions. Quoique. Peut-être qu'avec eux, je peux écraser les zombies. Si j'arrive à... Non, il va falloir les attirer sur la route.
Voilà. Parfait. Est-ce que c'est endommagé? Peut-être un peu endommagé le véhicule, mais ça me fait économiser des munitions. Et ça, c'est plus important. Alors, je vais les écraser pendant qu'ils sont dessus. Allez, allez! Oui, oui! Non, ça fait pas de dégâts au véhicule. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais essayer de les faire passer par là. Je peux pas leur dire de cesser le feu le temps de... Ah, économie de munitions, parfait. Ah, génial, alors... Par contre, mon gars, avec la mitraillette, t'as plus de munitions, là. Alors, ce qui m'inquiète, là, c'est le carburant. Alors, bah, du coup, on va aller là-bas, déjà. Récupérer ce qu'il y a là-bas. Et il faut trouver un moyen de faire le plein. Oh, oh. Et l'autre va l'attirer. Je pense pas pouvoir y aller avec le véhicule, là. Si on le fait réparer, ils arrêtent d'attaquer directement. Allez, 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 suivez la route, suivez la route. Ah non, ils vont pas suivre la route. S'ils vont la suivre, s'ils vont... Hein. C'est pas top là. Un petit peu vers là. Je m'attendais vraiment pas à ce type de gameplay dans le jeu, pour être franc. Voilà. Bon, bah là, c'est bon. On retourne là. Il va falloir trouver un moyen de faire le plein. Ils arrivent. Bon, bah, on a survécu à la nuit, hein. Là, il y a peut-être encore une ou deux hordes de zombies. Mais du coup, j'ai pu... surtout les munitions. J'ai pu économiser les munitions, ce qui me fait vraiment plaisir. Et donc, moi, je vous propose de continuer sur un troisième épisode, qui va peut-être être le dernier. On va voir cela. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.